ça, mais gros, c'est bon, l'autre passage qui contre son dire. Vous comprenez? Les pas fidèles, vous avez plus force, vous avez plus lumière. Oui, oui, oui. Vous n'avez pas jamais dit rien. Vous n'avez pas dit rien. Quand vous montez sous plateau, vous n'avez pas conseillé de bagailles tirer dans l'air. Vous n'avez pas dit qu'on s'apprend à tel passage qui dit ça, il y a contre son dire. Bon, pas comprendre rien. Pas comprendre. Alors, frère Jodet, qui ça exactement qui est autant de qui contredit ça qui nous enseigne, qui nous dit pas bon selon la Bible? Concernant la dîme, non, spécialement. Alors, ça yo dit de la dîme, non, frère Jonès, c'est quoi? Qui ça yo dit qui en contradiction? Je dis, soit, yo dit qu'il y a 7 catégories de dîmes. 7 catégories de dîmes. Yo bon conseil de versets là, yo bon moi. Alors, bon gars de versets, ça yo bon qui prouve qu'il y a 7 catégories de dîmes. 6, c'est 6. Ouais. Alors, c'est qui verset yo bon qui a 6 catégories de dîmes, non? Lévitique 27, verset 30. On a regardé Lévitique 27, verset 30, chers téléspectateurs, ensemble. Lévitique 27. Il y a plusieurs autres encore, oui. Attends, d'après vous, une après l'autre, frère, moi. Lévitique. Si d'après vous, on va vous et vous notez. Eh bien, bam noter, d'accord. Pas de problème. Ouais, ça, ouais. Si vous devez l'arrêter pour ne pas interrompre, non. C'est un bénin d'entropie. Peut-être parce que ça, on a besoin de l'aider, tout parce que nous avons besoin de parce que ça t'a fait. Ok, c'est très bien. Lévitique 27, verset 30. Ouais. Ok, encore. Nombre 18, verset 28. Nombre 18, verset 28. Deutéronome 12, verset 11. Deutéronome 12, verset 11. Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. 1 Samuel 8, verset 17. 1 Samuel 8, verset 17. 17. Bon. Un chronique. Chapitre 1, verset 6. Un chronique. Chapitre 1er? Deux chroniques. Ah, deux chroniques, chapitre 31. 31. Verset 6. Verset 6. Néhémie. Oui. 39. 39. Non. Et puis. Néhémie combien? Néhémie 10 et verset 39. Verset 39, ok. Et puis en après, il y a moins. Toute Malachie 3, net en général. Pour ok, pas de problème, et puis n'a pas gardé Malachi 3. Je vais comme il était bon, moi. Je vais dire comme ça, parce que tu es venu avant hier, dimanche passé, après émission, frère. Hein? Comme il était bon, moi, je me demandais, est-ce qu'elle n'a pas caché mon lumière sous lui, est-ce qu'elle n'a pas caché au moins, comme il est là, il a dit à 6 et 7. Donc, comme moi-même, je pensais que, l'homme de sens est entré dans la discussion avec elle, je dis, la plus importante, la plus nécessaire pour le lire, parce que c'est sous écran, parce que tout téléspectateur attendait. Il y avait écouté les fidèles et tout, attendez les. Bon, le bagle Lili, comme on définit l'île, même les mêmes pensées qu'il attendait, fidèles li a eu, attendez, l'autre téléspectateur, attendez, pour comprendre, côté ça y est, parce que y'a dit tout ça, qui, là, qui dit que la dîme, lui-même, lui, c'est lui pour le bail, lui. C'est très important, la dîme. Ok, frère, pas moins. Ok, frère Babouin, fais pas de moi-même. Nous pouvons le garder. Je ne vais pas vivre dans la partisanerie. Je ne vais pas camper pour vous. Je ne vais pas contre vous. Je ne vais pas contre vous. Je ne vais pas pour vous. Mais le seul bagage qui fait plaisir, c'est à chaque moment que vous venez sur l'écran. Lorsque vous venez sur l'écran, tout ce qu'on dit, vous pouvez que vous dites. D'accord, frère Babouin. Ça fait plaisir. D'accord. Si vous-même, tout, vous êtes venu. Je te vis avec un passage qui dit que c'est ça qui contre son dire. On n'a pas le comparer de passage ça. Oui. On n'a pas le roi, on n'a pas le discuter, on n'a pas le dire, mais son dire, mais ça qui contre son dire. Mais nous, on dit, mais il n'y a pas rien, après rien, parce que c'est dans l'air comme ça. Fidèle lui-même qui déjà dans le noir, déjà, qui passe effort pour sortir dans le noir que lui a, il veut rester toujours dans le noir, donc il est toujours venu avec. Ok, d'accord. Bon, on va comme des cas exprimés dans le moment ça. D'ailleurs, comme on dit, moi, chercher qu'on est, qui ça, il y a des. Ça, oui, on va m'attendre l'explication, on va m'attendre, et puis on va quitter les gens disponibles, tout. Si là, dans le fidèle, le pasteur, il y a des carrés, ça, c'est encore mieux pour moi. Ok? Ok, bon Dieu bénou, merci. Bon Dieu bénou, frère. Okay. Bon, nous, dans Lévitique 27, Lévitique 27, le verset 30. Alors, comme c'est seulement verset 30 là, Yoga l'été baou, n'a plus verset 30 là et n'a plus dans verset 34 pour nous comprendre, mais sauf que nous pas prendre appel pendant un petit bout de temps après. Bon Dieu bénou, allô? Oui, bon Dieu bénou. Bon Dieu bénou, sur moi. Oui, Fatima Patrick.
Tati Patrick? Oui. Allô? Oui, m'attendo. Oui, vous question m'attendo. Oui, posez question. Là, oui. Comme nous-mêmes, nous connaissons Jésus qui est venu mourir pour nous. Nous-mêmes qui avons servi bon Dieu. Et Jésus qui est venu mourir pour nous, c'est pas ni pasteur, ni personne, ni nous-mêmes qui est mourir pour nous. C'est Jésus, nous-mêmes, nous avons suivi Christ. Alors maintenant, ouais, si quelqu'un ne t'a pas prêché l'évangile, je ne pense pas que si on t'a prêché l'évangile de pour t'a monter sous télé, c'est sous pasteur, c'est sous l'église, pour t'a chita pour critiquer, pour critiquer. Parce que c'est pas vous-même qui a su, c'est pas personne qui a su, mais qui a su la Bible. Ben, quand on connaît la Bible, est-ce que c'est la religion pour la qui a sauvé? Est-ce que c'est la religion pour la qui suit là, qui suit Christ? Est-ce que c'est celle qui étudie, ou même qui étudie la Bible? Parce que, ou pas de critique, même qu'on est là, ou pas de critique sur la Bible, sur la dîme. Bon, même école du dimanche, je fais dans l'église, ou pas vle au fait. École du dimanche, je connais, c'est même gens, là, on a fait école du dimanche. Leur prêcher la Bible, c'est la Bible qui prend toutes questions au bail, ou dit c'est pour pas aider, pour pas aider. Alors, comme si là, nous, comme pas le monde prêcher parole, bon Dieu, maintenant, ça nous voulons faire. C'est une question à poser, monsieur, moi. Oui, madame, parce que moi, tout a prêché, tout le monde qui montait sous télé, il a prêché le monde qui n'a pas converti, le monde qui n'a pas. Mais nous-mêmes, depuis nous montons, c'est sous l'église, nous prêchons sous pasteur, nous prêchons. Comme qu'on n'est pas nous témoins, comme Jésus même t'a déjà dit ça déjà au dernier jour, après plusieurs photos faites, quatre vignes, non, quatre dieux, c'est Jésus, mais Jésus est là, mais Jésus est là. Comme c'est pas nous-mêmes, il y a suivi. Parce que dès que vous montez sous l'église, après que sous l'église du Nazaré, on monte, on prêche. Dès que vous montez sous télé, on marche. Je ne sais pas si je marche là, mais Dieu fait tout le pour monter. C'est sous l'autre côté, c'est sous l'autre côté. Mais si vous prêchez l'évangile, ce n'est pas sous le disque critique pour chiter à faire. C'est pour monter, pour enseigner les gens qui ne sont pas convertis, pas qu'on gagne Jésus. Pour parler aux plus convertis, ce n'est pas sous pasteur, parce que vous ne pouvez pas mourir pour nous, c'est Jésus qui est mort. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas suivre vous. Nous ne pouvons pas suivre pasteur, nous suivons Christ. Écoutez, maintenant, je vais répondre. Parce qu'on ne peut pas mourir pour nous, mais pas nous-mêmes, nous suivons. Parce que si, alors, parmi tout l'évangile, qui a petit pasteur, qui a petit Dieu la Bible, c'est que vous-même, c'est qui comprend la Bible, parce que tout. C'est vous-même celle qui connaît la Bible plus bien que tout le monde. Alors qu'on est là, wap pour jouer le pasteur, wap pour critique, wap pour critique. Alors tout le monde qui a marché dehors, mais tu vas dire que pas pour nous, ou pas mourir pour nous. Ou pas, nous pasteur pas mourir pour nous, nous-mêmes, nous sommes sur Jésus. Nous baissons la dîme, ça pas business. Nous faisons école du dimanche dans l'église, ça pas business. Juste pas sur Christ, ok, bye bye. Alors, s'il vous plaît, et pourquoi les pour nous, s'il vous plaît. Somme avec tout amour que je pour qu'on aime vraiment dans le Seigneur. Au lieu qu'on parle avec moi comme ça, dit à moi, on parle plus calme, on garde samedi. Yo. Bon, et si au dernier jour, nous tous pour mourir, on vit nous samedi, c'est vérité, et puis n'importe pourquoi on est le cognac. Je ne comprends que ou pas comprendre ça qu'il me dit. Je ne comprends que ça m'a dit, je ne pas comprendre ni. Pas de problème. Mais, Somme, avant que vous parle avec moi comme ça, est-ce qu'on prend un petit temps? Pour garder sa frère Patrick Dieu, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Est-ce qu'on pense que j'ai un problème avec pasteur? Je n'ai pas de problème avec pasteur, je n'ai pas de problème avec personne. Je remets aux gens, je remets tête moins. Je remets aux gens, je remets pasteur, je remets tête moins. Parce que l'évangile mandate pour me remettre. Mais pourquoi est-ce que on parle avec moi comme ça sans qu'on ne prenne le temps pour réfléchir et comprendre? École dit dimanche, côté le sorti, est-ce qu'on analyse pour côté le sorti? La dîme, est-ce qu'on prend le temps pour apprendre pour qui s'allie? N'a pas rappelé ça après, nous pas prendre l'autre. Bon Dieu béni, ou allô? Oui, bonsoir, Père Patrick. Bon Dieu béni, c'est gentil. On a rien. Nous pas plus mal avec Jésus-Christ. Ça m'a oublié de dire concernant si la secrète est là. Là, c'est un bagage pour nous guérir, respect pour lui, pour tout le monde. Baisser tête, pour nous guérir, respect, quel que soit le monde, c'est chrétien, quel que soit le pagain, il n'est pas chrétien. Parce que c'est la Bible qui a parlé. S'il dit, la dîme n'a pas le droit de payer, il n'a pas le verset. S'il dit, l'école du dimanche là, il n'a pas le droit de faire d'après la Bible, il n'a pas le verset. Ou même si vous n'êtes pas d'accord avec elle, ou après elle, ou après Frère Patrick, est-ce que vous pouvez rejoindre nous dans tel numéro ou bien dans l'adresse ou quand on rete? Vous avez besoin de parler avec vous, même si vous êtes philosophe, même si vous êtes connu, même si vous n'êtes pas connu, ou après Frère Patrick,
explique, m'pa kon li même vle jwenn nou pou explique pou mete pou nou chita ensemble, ou ap li m'a gen zorey pou m'tande. Et puis ou bien aussi pou kon li fè papi kwa bon versè ou m'ap li. Et puis pour essayer de comprendre pour moi ça dit aussi c'est vrai mais pas de blâmer les moun là pour appeler s'il te moun là comme ça sur les autres pour ça faut que respect pour la parole de Dieu parce que le Jésus-Christ est venu mourir il mourit pour l'humanité c'est pas pour seul moun il est mort ou fait pour gagner respect en tant que chrétien frère Patrick pas jamais le mener dans l'église nazaréen c'est que lui dit moun là bâti yo maison yo bay chaque nom la la cité nom li di baptiste pentecôtiste adventiste nazaréen et l'église de Dieu la prophétie wa de vel il omen toute l'église yo tout nom que yo bay tombe mon Dieu c'est ça mais ça pas veut dire que li omen nom nazaréen spécialement c'est pas un gaguec là pas gen moun k'ap choute sou moun c'est la bible bay noir sur blanc sou pa kon li sou gen petit sa petit la li pou tande ou bien faire un rendez-vous avec moun nan pou rejoindre moun nan pou parler avec moun nan concernant la bible parler les moun nan pou insulter moun nan sou les autres gosa gen lot moun k'ap tande télé a c'est pas nous même seul haïtien qui tande télé a télé a sou internet tout lot moun ap gade se matinois matinique guadeloupéen whatever moun nan kote li a même moun brésil rele m di ap gade castv sou internet alors c'est pas nous même seulement qu'à couper télé, c'est pas nous même seulement qu'à garder. Pas insulter mon nom comme ça, en homme de Dieu. L'elba est verselle, prends un stylo, marquez verselle, bon là. Et puis comme ça, on a joué ensemble avec lui pour discuter, ou bien si vous voulez discuter, ou même lui pour quoi tout, mandez bon Dieu en direction, mandez bon Dieu cet esprit qui pour faire comprendre la Bible. Parce que il y a des gens qui lit la Bible. Si vous n'avez pas de cet esprit, vous n'avez pas de comprendre ça, la Bible écrit. Parce que vous avez un bac plus 5, bac plus 20 000. Si vous parlez pour comprendre, vous n'avez pas arrivé à comprendre. Alors, pas parler comme ça sous les ondes haïtiennes. Vous avez l'autre monde qui attend de nous, étrangers attend de nous. Sœur Gentil. Sœur Gentil. Oui. Bye for your titan pour prouver avec tout chrétien. Yo. Ça que nous dit à l'écrit, nous pas attaquer personne monde, nous pas railler personne monde, mais nous remettons tout le monde dans le nom de Jésus-Christ. Au d'accord, c'est moi. Ouais. Merci beaucoup. OK, frère Patrick, bye bye. Dieu bénisse. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, par les compassions de Dieu, ouvrez Bible avec nous. Déjà n'apprenons seul texte dans Lévitique là, après n'a expliquer un petit peu. Pour nous, qui ça l'évangile dit, si nous dit ça la Bible dit, est-ce que c'est problème qui est à monde ou bien est-ce que c'est attaquer nous attaquer monde? Gardez Lévitique 27, verset 30 à 34 pour nous. Ouais. Parce que gardez côté, il y a un bon texte ça, mais il n'y a pas bon ratio parce que le ratio a pour vision. Mais on a besoin de ouais, tout. Mais ça le dit dans le verset 30, Lévitique 27. S'il vous plaît, ouvrez Bibou, gardez. Prends le temps pour. Pas jouer, pas fâcher contre moi. Juste prends le temps pour garder le texte ça. L'évangile pas sur la caméra, ni pas sur la caillou. On n'est pas le maître de l'évangile. C'est Jésus-Christ qui est le maître de l'évangile. Et c'est son évangile. Ce n'est pas notre évangile. Alors, on regarde. Verset 30. Toute la dîme de la terre. Alors, le verset 29, plutôt pour nous comprendre. Aucune personne de vrai pas interdite ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre. Alors, attendez bien, oui, le texte a commencé pour le dire. Soit des récoltes. Parce que dîme nan, li englobe tout ça que ou gagné. Li pas précisé non? Tout ça que ou gagné, on pral wè ki ça le pral di. Tout, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, hein? Racheter quelque chose de sa dîme. S'il y ajoutera un cinquième, 32, toute dîme de gros, de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On examinera le verset 33, point, si l'animal est bon ou mauvais. Attendez bien, c'est dîme, il y a détail, bon, nous, ça, dîme, non? Parce que lorsque je dis la dîme,
li englobe tout son procédé, oui. C'est ça, on comprend notre texte là, oui. Alors, il dit, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Verset 34. Alors, c'est 34 après le libéral pour qui est sur parler là. Le verset 34, chers téléspectateurs, regardez bien. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Nous campons là. Pas d'explication, non? Parce que nous comprenons ni ça, pas besoin d'explication, les littérales. Il n'est pas symbolique, non, littéral. On comprend tout ça. On voit tout type de dîmes. Nous parlons de tout type de dîmes maintenant. En entrant dans Deutéronome 14. Parce qu'il faut qu'on compte qui ça. On regarde qui ça dîme. Comment on paye, sauf avec. On regarde pour nous. Deutéronome 14, à partir du verset 22, serviteur à te baille. Serviteur te baille, l'autre serviteur là. Gardez Deutéronome 14, verset 22. Alors, surtout ceux qui se parlent avec tout à l'heure là, qui excité là, font ils chita, moi, moi, en pile. Je n'ai pas de problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec tout. Et si je me dis qui blesse, je ne pardon. Non, non, Jésus-Christ, je ne pardon parce que je n'ai pas de problème avec moi. Je n'ai pas de problème avec personne. Mais juste pour petit temps, souvent, Jésus-Christ, oui, parce que je ne pour examiner toutes choses, retenir ce qui est bon. Souvent, mes crises, oui, je tendais à examiner ce qui est bon. En regardant le verset 22, chers téléspectateurs, Deutéronome 14, le verset 22, pour pouvoir regarder pour vous. Qui ça que la parole de Dieu dit? Gardez dans Deutéronome 14, verset 22. Gardez. Il dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Alors, mettez accent sur ta semence. De ce que rapportera ton champ. Mettez accent sur champ. Semence, champ. Chaque année. Mettez accent sous année. Pas ouais moi non chers téléspectateurs et nous pas jamais ouais moi dans Bible tout. Chaque année. C'est ça oui qui est le dîme. N'a pas avancé le verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Virgule, gardez pour vous, virgule, hein, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, virgule. Mais qui ça n'a pas mangé chez les spectateurs? Comprenez bien, oui? Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, ça m'a mangé dans le lieu, Seigneur a choisi. Qui ça lié? La dîme de ton blé. Attends, non, je ne suis pas d'accord, je n'ai. Comment la Bible a dit pour manger dîme que mon boumé dit c'est l'argent lié? C'est pas normal comment je dois manger. Et sa texte a dit oui. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Crois. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile. Et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Non. Tendez bien, oui, chers téléspectateurs, que nous remets en pile. Pourquoi est-ce que nous avons un problème avec nous? La Bible dit, pour me lever, la dîme, sous sa semence rapportée, et sous sa chambre rapportée, pas chaque mois, non, chers téléspectateurs, chaque année. Qui ça le dîme pour me faire? Pour manger. Je parle dans le lieu. Et tu as l'air pour aller côté lieu ça. Parce que là, il parlait dans le lieu côté pour aller manger. Il faut qu'on ait un lieu ça. Eh bien, pour mal manger, dans le lieu côté l'Éternel choisir. Le verset 24. Il dit peut-être lorsque l'Éternel, mes amis, gardez avec moi, t'en prie, s'il vous plaît. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Bon, je vais vous dire comment chemin est long pour porter l'argent, mes amis? Hein? L'argent qu'on loue, est-ce que l'argent loue? Hein? Chemin, même dit, peut-être l'éternel Dieu a béni toi, chemin a ton long pour transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Le verset 25, chers téléspectateurs, nous prenons là, dans verset 25, 26,
Gardez verset 25, 26 pour nous, est-ce que dîme, c'est l'argent. Alors, pour elle, nous dit la dîme, nous dit la dîme par là-dedans, nous pas dit l'argent par là-dedans, parce que dîme pas l'argent. Nous besoin l'argent pour nous servir, bien sûr que oui. L'aide nous dit dîme, nous pas dit là, parce que la dîme pas que l'argent, elle pas besoin de l'argent. Gardez le verset 25. Alors, puisque éloignement trop pour qu'on habite à trop loin, lieu, nous parlons pas les sous lieu tout à l'heure, il dit le verset 25, mais ça va faire. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors, bon frère, tu dis que pas de gain l'argent à l'époque. Nous n'avons pas la belle de France. Nous te relais pour nous discuter en débat par téléphone. Il dit pas de gain l'argent. Alors, il lit ça, il calme et puis il dit ouais, c'est la vérité et puis il soumet. Alors, il dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Alors, si l'argent, c'est dîme qu'on en a pas, que l'argent nous change, nous vend dîme non. Comme dîme n'a pas de l'argent, c'est ça nous, ouais. Comme changer dîme nom, vendre dîme nom, qu'est-ce que l'argent? Alors automatiquement, il y a dîme pour mal manger l'argent, mais l'argent pour manger. Comme c'est manger pour manger dîme, il n'y a pas qu'à dîme l'argent, parce qu'il n'y a pas manger l'argent comme ça pour le bouche. Alors qui ça texte a dit? Tu serreras cet argent dans ta main. Le verset 25, gardez pour nous, ouais, mes amis. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Même lieu encore. Là, le verset 26, tu achèteras avec l'argent. Il n'y a pas de mener le pasteur. Il n'y a pas d'où mener le bail, il y a un monde. Parce qu'ils sont pas gagnés pour aller manger qu'elle y est. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Tu désires toutes sortes qui font plaisir. Ou après l'argent, ça, pour acheter. L'or, il vient dans le lieu, ça. Ça, on va pas acheter. Des bœufs, des brebis, du vin et des liquides fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Ça, on va pas faire l'or, il acheter. Tu mangeras, merci frère René, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras, toi et ta famille. Pourquoi? Parce que les dîmes sont faites de réjouissance qui est liée. On prend toute famille, surette, mari ou petit, ou aller à Jérusalem pendant les années arrivées pour aller manger. Ou pas, il y a un monde, c'est ça que ça dit. Le verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. Car il n'a ni pas ni héritage avec toi. Le verset 28, qui ça le dit? Au bout de 3 ans, comme il dit, il y a 6 dîmes. Il y a 2 dîmes. Il y a chaque année, l'autre la fête chaque 3 ans. Mais dîmes dans l'ien globé, il y a un paquet. Parce que c'est tout ce procédé qui est lié à la nouvelle moto qui sa tête, qui bagaille, qui est. Il y a le précision, il y a le bon texte pour précision qui ça y est. Nous parlons moto tout à l'heure. Mais là, on a parlé de dîmes 3 ans. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Ça veut dire que dîme ça là, gon koto wal déposer. C'est pas on wal ba ou déposer le gon porte côté mon mette pour déposer kounya là, qui est-ce qui prend dîme ça déposer ya? Parce que c'est pas là j'en laisse déposer ou déposer l'autre côté. Alors viendront le verset 29, le lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Ils mangeront et se rassaseront. Ça, après, il y a dîme, non, il y a toujours manger. Ouais, dîme, manger. Afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans les travaux que tu entreprendras de tes mains. Rounia, là, ça nous prend le fait pour nous finir. Nous ne pouvons pas, peut-être, l'autre dimanche, nous finir avec ça. Nous prenons le montrer ça, dîme, non. Parce que, il y a des gens qui disent, ils payent dîme, nous prenons le montrer, ok, ils ne payent pas dîme. Nous prenons le Néhémie 10, serviteur à tes bords là, je n'ai. Néhémie 10, pour nous, ouais, qui ça, dîme, non, même. Nous parlons de Néhémie 10 là pour nous finir parce que l'est nous arrivé et nous avons service pour nous partir maintenant. Néhémie 10, gardez Néhémie 10 à partir de verset 32. Néhémie 10 à partir de verset 32. Gardez pour nous, ouais. Verset 32, Néhémie 10. Alors, il y a un verset qui est bon, il y a un verset qui n'est pas bon parce que l'autre verset n'est pas bon parce que je vois pour vous sur vous. Le verset 32. Nous nous imposâmes, imposés. Ce n'est pas proposer, non, mais imposer. Aussi des ordonnances qui nous obligeaient. Obliger, ça veut dire fuck ou baili. À donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Là, nous allons commencer avec qui lieu il t'a parlé dans Deutéronome 14. Là. Le verset 33. Pour les peines de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes pour les choses consacrées, pour les services d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de
notre Dieu, la maison de notre Dieu. Faites attention, mettez accent sur ça. Nous tirâmes au sort sacrificateurs, lévites et peuple. Hein? Sacrificateurs, lévites et peuple. Au sujet du bois qu'on devait chaque année, hein? Chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu. Maintenant, il y a nous lié à, oui, à la maison de notre Dieu. Selon nos maisons paternelles, à des époques fixes, pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Et le verset 35, il dit, nous résolûmes d'apporter chaque année, pas oublier le mot chaque année, à la maison de l'Éternel, le lieu que Deutéronome 14 t'a parlé, hein, à la maison de l'Éternel, hein, hein, les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Parce qu'il n'y a pas de différence aux arbres, distinguer non, les arbres. Le verset 36, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans à la maison de notre Dieu. Bon, mes amis, verset 36, regardez là maintenant. Nous besoin faire une pause là maintenant. Je mets le téléphone en place, parce que nous déjà fini. Je vais déconnecter le téléphone, là, maintenant je vais connecter. Là, nous déjà fini. Nous avons fini le reste là dimanche prochain. Mais nous venons verset 36, nous avons campé là. C'est vite à te bon, verset 39. Mais nous, dans verset 36, nous parlons dans 39 là pour nous voir qui ça, qui dit maintenant. Mais ça, verset 36 là dit, à la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, et nous avons un bétail là, dans le texte précédent que nous lit, comme il est écrit dans la loi, ça pousse à l'évangélique, bon Dieu béni. D'accord, d'accord. Oui. Oui, c'est vrai. Oui. Non. Oui. Oui, c'est vrai. Alors là, pardonnez tout le monde ça. Nous pardonnons déjà, frère. Tout ce que Dieu m'a entendu, ou a crucifié pasteur par le pasteur mal, par l'église mal. Alors, monde ça, les pensées, parce que vous savez des mondes, qui disent, mais par un grand temps, signification, mot ça a pris à l'eau. L'autre finit, après, madame, qui s'est pas mordi, il m'a pas mordi. Alors, frère, bon courage. Et la baye dîme toute journée, toute nuit. Amen, frère Castor. Ok, bon Dieu bénou. Alors, écoutez, pour me finir, verset 36, chers téléspectateurs, pour nous, qui ça dîme, non? Le verset 36, il dit, les premiers-nés de nos fils, de notre bétail. Et nous te voyons, te lire tout à l'heure. Là,